Trent, north of England, right? Close to Birmingham. And when I was 4 years old, my dad took me to Nigeria, and I lived in Nigeria for 20 years. And I got to know my cousins, my grandfather, my grandmother, my siblings, and yeah. And after that, I came back. Now I live in London. So this is how the story goes. Artist, I started to do my work as a solo artist 2.5 years ago. Mama, wipe your tears, my pockets full of prayers. I am headed where the grass is green. I do have a day job, so I studied as an accountant, yeah. Finance. So 9 to 5 during the day, I'm an accountant. Wow. Counting people's money, and then in the evening, I'm playing the guitar. And do you have the same haircut in the during the day? Yeah. They know me already. They're like, oh, right. Oh gosh, Landre, new hair. He must be more than praying before every meal. He must be more. I love listening to other singers and songwriters. So if I read a book and I see something that's interesting, I might write a song about it. Or if I watch a movie and I see something interesting, it could be from anyone, or having a discussion with other musicians, something inspirational comes up, I write about it. So there's no one way. Let the words from my lips rise through the clouds to your ears. I'm running for my life, literally, to remind me, no need to jog my memory. I've been running the streets, look at my swollen feet. If you listen closely, you can hear my heartbeat. Banging hard against my ribcage, should I have to be running like this at this age? I'm running my dream, even while I'm asleep. I wake up with sweat soaking the sheets. I've gotta get away, so I'm running, yes I am running. In the air I feel it coming, oh it happened all so quick and so sudden. I'm too young to be in a coffin, so I'm running, yes I'm running. For my life you know I keep running, yes I'm running, yes I'm running. For my life you know I keep running, running for my life.
singer, rapper, poet. Beatbox. Producer now. I make my own beats. Yeah. So, I live in London as well. We live in London. We live in London. And I'm happy to, this is my first time in Paris. So I love it. I love Paris so much. It's very, very nice, welcoming. There's love. 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 Let our stories be told through the painter's brush. Canvas holds out to memories long after we're gone. Let our stories be told through the à la Bellevilloise avec une artiste américaine, Chantelle. Et à mon avis, les deux plus les Threesome Sisters qui sont un trio assez à l'étage. Ah oui, alors à l'étage avec les Threesome Sisters, ça va être un truc complètement ouf. You and I, together. Thank you for accepting me. I was here in April and I'm back here again and I'm so happy to be here. Thank you so much for listening to my music. And we've got a gig coming up on the 2nd of October. Where, Joanne? 2nd of October. A l'étage. L'étage. Right. If you could, you would understand. My heart keeps memories of you and I. Merci beaucoup tout le monde. Très bien. Au revoir. A bientôt. A bientôt. Peace. My heart starts beating triple time with thoughts of loving you on my mind. I can't figure out just what to do when the cause and cure is you. Salut, salut, je suis la vie qui te mène sur la bonne route de ces merveilles. Salut, salut, je suis la vie qui te mène vers ce bonheur éphémère. Having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had, but then the dove of hope began its downward slope. I thought I read peace in my face. Can't get me out of the race. Oh man, you said I'm in your place. And then you draw back a 1 million scars, 1 million wishes, 1 million dreams. Shit like dishes, 1 million wounds. Now I'm getting silence. Do the walking. Searching for another day, another.
of a way for me to open up to you. I already sang a good song. I already had a style. And so I came to see him and listen for a while. If you wanna be your guy, keep it real. Tell me what's going on, tell me how you feel. Oh no, you want me, other much I want you. So come give my love, I'm ill for you. No, 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 you say yeah, 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 yeah. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted, don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than a minute old. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forgive me, I beg. I remember you say sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead. Ancien membre alors de... Hein, oui, faut nous présenter Schizomito, alias Eddie, je bosse pour Eddie Animation aujourd'hui. Maintenant, voilà. Eh oui. Et aujourd'hui il gonfle des ballons, j'ai il y a 3 ans il chantait du reggae. Hein, il y a 5 ans il était électricien, il y a 6 ans il était à l'armée. C'est l'homme à tout faire, c'est pour ça qu'on l'appelait Schizo, tu vois. Parce qu'il a trop de versions de sa vie. Mais ce qui est sûr, c'est que le gars est vrai. Ah ça c'est sûr. En tout cas Rastamito c'est bon. C'est bon. C'est bon, y'a rien à dire. Bonjour. Des bonnes paroles, de la bonne musique, c'est très bon. Le 27 octobre. 16 euros si tu fais en présence. Au nouveau si casino. Si tu organisé et que tu prends sur place, ce sera plus cher, ce sera 20. Mais voilà, on est indépendant, 100% indépendant, l'album est dans les bacs. Voilà, avec tu vois Jimmy Sissoko, je vois Kondo. Ceux qui connaissent la clique, tu vois ce que je veux dire, un groupe qui date de. Jimmy Sissoko, plein de singles qu'on a entendu. Et le nouvel album de Jimmy qui va arriver, attention. Pyro, attention. Mais même au-delà de tous ces noms-là, là, moi j'ai pas entendu tous les autres. J'ai entendu juste lui tout seul qui représente toute la formation. C'est nerveux. Il n'y a rien à dire, c'est nerveux. Tu viens, tu chiques tes oreilles. Ça rentre là, ça va dans ton cœur direct. Franchement, c'est merde. Rastamito. En vrai, pour le coup, hein, faudrait même pas les appeler Rastamito, faudrait les appeler Rasta vrai. Rasta bon, Rasta tout, Rasta bon.
l'équipe. Voilà, je présente donc Raïssa, voilà, de La Réunion, qui est arrivée il y a seulement deux jours même. Et donc c'est une amie longue date que j'ai connue là-bas lors d'une de mes tournées. Et avec découverte de talent, parce que Raïssa est une grande chanteuse, qui a fait déjà quelques scènes déjà sur les scènes à La Réunion. Et puis voilà, c'était pas prévu, c'était au feeling, et au feeling, elle nous a rendu ça, quoi, bien. T'es pas trop intimidé ce soir? Un petit peu. Ouais. Bon, t'as surmonté ça quand même. Oui. Ouais. En tout cas, on t'a vu, hein, tu montes haut, hein. C'est. Ça fait vibrer dedans, hein. Hein? Les gens. J'espère avoir représenté la réunion. Voilà, ah, ben ça. Donc elle a quelques compos, t'as des compos, t'as des choses comme ça, etc. Et puis nous on va voir un petit peu à notre niveau ce qu'on peut faire un petit peu aussi pour donner un petit coup de pouce. Musicalement, ça. Hein, ça. Parce que t'es là, quoi, tu vas essayer elle va essayer d'enregistrer, vous allez essayer d'enregistrer. Ouais, on va voir un peu au feeling, etc. Parce qu'elle a pas beaucoup de temps ici, elle va deux semaines après descendre dans le sud. Donc on va voir un petit peu comment on va se trouver pour pouvoir amorcer quelques petites choses qu'on avait déjà prévues longtemps à l'avance, parce que ça fait 3 ans déjà qu'on s'est pas vu. On avait organisé, enfin 3 ans la dernière fois qu'on s'est vu, on avait organisé les choses il y a déjà presque 5 ans. Voilà. Donc maintenant, voilà, elle a l'opportunité d'être là, donc on va en profiter. Super. Okay. Ouais. Très bien. Bien, c'était Raïssa. Raïssa. Un nom à retenir. Voilà, à retenir. Vous pouvez déjà la voir un petit peu sur YouTube. Il y a des petites choses, etc. Cherchez. Donc Raïssa. Voilà. Tu peux l'appeler comment on fait pour... Raï de Zestra. D'accord. Ok. Très bien. Réunion. Et puis ici, sur le petit déclic, il y a une petite surprise qu'on arrive à faire le temps de son passage à Paris. Et ben, il y aura des petites surprises à présenter sur le net. Viens faire un tour près de chez moi. Tu prendras un réel pied, tu verras. Mada, 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 mada. Viens faire un tour près de chez moi. Tu danses le zouk. Viens faire un tour à Madinina. Tu verras passer des bandes de manana. Tu verras pas demander leur bandana. Tu goûtes les bananas, les ananas, les manioc et les avocats. Ah, je m'appelle Maurice, je joue Cariati depuis 3 mois et je m'occupe de la jam tous les lundis. Ils sont super cool, super sympas, avec de la très bonne musique et une belle femme aussi, ça faut pas oublier. Mais au niveau musique, ils sont vraiment vachement cool. Tu donnes un petit soin.
Mathias Leni, Freak Show pour la Factory Afro-PN. Yes, yes, yes. Ok, dis-moi donc, c'est quoi ton parcours musical? Mon parcours, c'est les romantismes d'Alfred de Musset et les tambours de Art Blackie, Jazz Messenger. Ah, j'ai commencé avec un tambour que m'avait offert ma grand-mère et puis, et puis j'ai toujours aimé taper. Alors j'ai ensuite fait différentes approches de la percussion et puis de la frappe en général, quoi. Donc aussi une école qui s'appelle Agostini. Et donc ta technique, elle est vraiment tout en ressenti, en improvisation, c'est comment? Alors ma technique, je l'ai travaillée avec les danseurs aussi, parce que mon souci en tant que batteur, en tant que percussionniste, c'est la danse. J'ai besoin de sentir dans les pieds que je joue. Et sinon, je travaille mon style sans penser à la batterie, je travaille mon style en pensant à des Mohamed Ali, je travaille mon style en pensant à 2 Chainz, je travaille mon style en pensant à Sex Shop, je travaille mon style en pensant à mon fils aussi, et je travaille mon style en pensant qu'avec une batterie on réveille les morts et surtout on fait danser les vivants. C'est ça mon style.